Toi, dans le fond, si tu avais à résumer un peu là, pour l'instant, on approche à un an de ton accident, là. Donc, ce que tu nous racontes, c'est une période de 9 mois là, environ, là. 9, 10 mois. Ouais, bientôt 10 mois, ouais. C'est quoi, si tu avais à dire, là, c'est quoi ton expérience avec ça, là? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça à date, c'est quoi? Oh mon Dieu, ce que je retiens, tout ça, c'est difficile, ardu. C'est comme si on ne reconnaissait pas mon accident. C'est comme si, mon Dieu, je me sens doublement fauchée, on peut-tu le dire comme ça? Je trouve ça triste de faire vivre ça à mes parents. Ben, il faut que le système change. Puis je me suis dit que. Je m'excuse, j'étais un peu émue. Non, non. Je me suis dit, je suis chanceuse, j'ai toute ma tête, tu sais. Je veux dire, l'accident n'est pas venu toucher ça. Puis il fallait que j'en parle. Il fallait que je le dise comment que ça n'avait pas de bon sens. Je m'excuse, je pensais être capable de. Merci, merci de prendre en tout Ouais. cas le temps puis la force aussi d'en parler aujourd'hui, hein, puis de faire le combat que tu mènes. Parce que, tu sais, on dit tout le temps, là, quand on a un accident puis on est atteint physiquement, psychologiquement, financièrement, puis là en plus, ben, il faut se battre avec un organisme qui est supposé être là pour nous aider. Ça rajoute une couche là, à toute la difficulté que ça pose d'être un Ah, accidenté. ça n'a juste pas de sens. Puis, les gens alentour sont désolés de voir ça, mais qu'est-ce que je peux faire? T'sais? C'est ça. La seule chose que je peux faire, c'est le dire puis le nommer. Puis, t'sais, merci de me laisser l'espace aujourd'hui de le faire parce que j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire. J'allais sortir quelque chose de positif de cet accident-là. Bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle. Tu es très inspirante. Puis honnêtement, Merci. j'ai hâte de voir d'ici un an tout le cheminement que tu vas avoir fait. Puis je suis convaincue que les meilleurs jours sont à venir et que de dénoncer comme ça va faire en sorte de sensibiliser pour améliorer justement, surtout au niveau des frais, là, pour qu'il y ait une compensation, pour éviter que les gens et leurs familles soient obligés, de débourser des si gros montants de leur poche.